Excuse-moi. Bon, allez, on y va. On a pas que ça à faire. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde, je suis Armand Truman, PDG de la Formers Company, cette magnifique entreprise qui recrute et forme les super vilains de demain, la crème de la crème. Et aujourd'hui, on va vous présenter le quiz du chaos. Et pour ça, j'ai fait appel à mon staff d'élite, le meilleur fitraboulé de tout l'univers, l'intransigeant Hippolyte Kerman. De ma nièce d'amour en sucre d'orge adoré, mais attention, une barbare sanguinaire se cache derrière ses couettes. Rien. Cindy. Bravo. Le calme, sympathique, mais néanmoins psychotique, Dr. Parker. Ouais. Et enfin, lui là. Je sais pas pourquoi vous applaudissez d'ailleurs. Non mais ça vous écorcherait la vue de faire un petit effort, Oui. Bon, pour justifier votre présence au moins, veuillez expliquer à tous ces gens ce qu'on va faire. C'est du contreplaqué, ça. Ça va pas être la roue, ça va être le plongeon de la mort. Hors de question. Bien. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour participer à un grand quiz qui va opposer deux équipes de trois personnes. Donc 2 x 3, ça fait... 6. On a plein de matheux ici. T'as vu, Sydney ? Eux, ils y arrivent. Donc ça va être un quiz dont le sujet, dont le thème qui va être abordé, c'est la japanimation, le manga, les séries, enfin bref, un petit aperçu hétéroclite et surtout pas exhaustif de tout ce qui peut composer la culture geek en fait. Alors c'est un quiz maison, vous attendez pas à des questions extrêmement sérieuses. Bien, on va sans plus tarder passer à la sélection donc, des 6 candidats et pour ça on va laisser le maître en la matière, Hippolyte, c'est à vous. Vous voulez vraiment que je trouve des candidats dans cette bande de tocards? Oui! Comment voulez-vous que je trouve quelqu'un de potable dans ce ramassis d'otaku? Presse-toi la nuit un peu, on n'est pas payé à l'heure là. C'est toi le tocard! J'ai quelque chose d'intéressant. Levez-vous! 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 Hippolyte! Tournez un peu! Ah non, viens. C'est toi le vilain! Ça demande! Ouais! Débile Menton! Bon ben voilà, voilà, ça y est, c'est fait. Personne n'est digne de participer au quiz du chaos! Tu voulais pas les retrouver entiers, moi je peux m'en occuper, hein? C'est bon. Il vous en faut 6, Hippolyte. Un quiz sans candidat, c'est pas possible. 6. 6, je sais pas combien ils sont là. Comptez-vous. Je refuse de prendre cette responsabilité. Il faut des winners, des battants, il y en a pas. On va faire simple. On va faire simple. Parker, Kel et moi, on en fait 2 chacun. Une fille, un garçon, et puis c'est marre. Allez, c'est parti. C'est qui va participer? Ils arrivent. Vas-y, viens, viens, Si, comme une autre garçon, voilà. Non, ça va pas être possible. Non, c'est celle que demande le docteur Parker. Ils sont beaux les vôtres. On les a choisis décorés. C'est pour habiller derrière. Ça fait du déco.
Voilà, très bien. Donc il va falloir faire deux équipes de deux. Donc ça va être très trois. Rare. Mais c'est lui le scientifique. Hein. Deux équipes de trois. C'est la téléportation, ça ruine un peu. Voilà, hop, équipe de à gauche, équipe de à droite. Allez, c'est parti. Comme c'est original. Voilà. La guerre des sexes, bravo. On a trouvé un nom. Oui, il faut que le deuxième équipe. Moi, j'ai trouvé Super Blaireau, Super Zéro. Eh ben, c'est parti. Voilà. Super Zéro. Alors, les zéros, c'est lesquels? Non, c'est ceux-là. C'est ceux-là. D'accord. Les zéros, c'est... Et le Béro. Ah ouais, on en a quelques costumes d'ailleurs. Effectivement. Bien, sans plus tarder, on va pouvoir commencer le Rune One Quiz. Allez, maestro, si tu le veux bien. Voilà. Alors vous allez voir les questions, on va les voir à l'envers. On peut les dire par là. Vous pouvez expliquer le principe maestro déroulé. Alors, vous allez avoir 5 rounds, le round 1 fight, le round 2 fait du bruit, le Godspeed Baby. Le camp de mime and this is Sparta. Donc 5 parties, ça vous dit pas grand chose pour l'instant, vous inquiétez pas, les règles sont expliquées au fur et à mesure. Ouais. Très bien, on peut partir donc sur le premier round. Exactement. Round 1, fight. Ouais. Premier round. Chaque équipe est interrogée tour à tour. Une bonne réponse apporte un point. Bien. On va tour à tour poser des questions, ouais. Par cœur et votre carnet, vous noterez les points. Et il nous faut quelqu'un qui, à la fin du round, présente au public le score. Généralement, c'est l'élément féminin du groupe et si possible, légèrement vêtu. Il compte pas, là. Ok. Bacalem, est-ce que vous faites rien? Vous allez vous en charger? Attendez, je suis le seul de l'équipe à avoir fait un peu plus que Bac plus 5 et c'est moi qui vais jouer la Victoria de la roue de la fortune? C'est vous qui avez le tour de poitrine le plus profond du groupe, donc vous allez assumer maintenant. À hein droite. Allez, c'est parti, on commence. Round 1. Première question. Alors, quel est le lien de parenté entre Scylla et Peter? Scylla. Scylla. Et Peter. On commence par les dames. Peter. Oui. Oui, le docteur Parker ne parle pas très fort. Le docteur Parker va parler plus fort pour la question. Je répète. Quel est le lien de parenté entre Scylla et Peter Petrelli? Heroes. Aucun. Non, même. Aucun. On va pas y passer la nuit non plus, les filles. Hein. Bah, c'est ton procès. Oh, alors, on va se il y en a pas. Envoyez la réponse. Envoyez la réponse. Aucun. Okay. C'est très bien. Super zéro. Un point pour les super zéro. Question suivante. Alors, vous avez une image au fond. Quel est le nom du manga à succès créé par le frère de l'auteur du manga dont est tirée cette image? Il y en a qui n'ont pas écouté les règles. Je vais vous répondre de toute façon. C'est au tour par tour, je vais. Pardon. C'est 666, Satan. Alors, 666 Satan. Eh bien, voyons la réponse. Naruto. Et non Pardon, tu as... Elle est défourbe la question, hein. Mais. Faut pas s'attendre à des questions gentilles de nous. Alors, je te la répète quand même de mémoire. Vous êtes vil. Voilà. Quel est le nom du frère de l'auteur du manga dont est tirée l'image que tu vois là? Ah, toi, tu t'es arrêté à un manga là. Eh bien, bravo.